conciliali comme un frère. Le gouvernement peut faire tout pour faire l'industrie canne viable. Le Premier ministre, Pravin Jugnauth, dit qu'il y a une consultation pour faire avec tout bon partenaire pour trouver une solution pour cette industrie-là. Il y a une remise de titre propriété à 60 anciens travailleurs, anciens compagnies sucrières à mon loisir, dans Rivière du Rempart, aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'Union africaine peut organiser ce 34e sommet de chef d'État par visioconférence qui peut se consacrer à la lutte contre COVID-19. Nando Boda a fini démissionné aujourd'hui grand matin comme ministre des Affaires étrangères, intégration régionale et commerce international. Une démission qui finit acceptée par le président de la République. Nando Boda a fini aussi démissionné de toute bonne instance MSM. Et Premier ministre Pravin Jugnauth finit réagir après sa démission là. Je vous propose d'écouter. Aujourd'hui, l'ITRICE. Qui, nous anciens secrétaires général, camarade Nando Boda, qui nous inali. Moi, j'attends moi de Nando au moins, depuis hier jusqu'à aujourd'hui qu'il est démissionné, moi, j'attends au moins qu'il vienne soit joindre moi, ou bien il donne moi une call pour dire moi ça. Il n'est pas fini dans le courage. Pour venir face à face avec moi, ou bien même à distance, ou un call téléphone, pour dire à moi qu'il est bien allé. Il dit bon, vous dire ça. Vous êtes capable de tirer votre propre conclusion. Choqué, attristé et trahi, c'est un sentiment qui s'est Nando Boda ressenti après démission d'Nando Boda. Qu'il était considéré comme un frère. Nando Jugnauth dit que Nando Boda fin des man pour joindre lui après qu'il fin prend sa décision pour démissionner et pas avant. Il dit qu'il n'est plus envie de joindre lui. Nous écoutons réaction de Nando Jugnauth au micro, Madhvi Jagannath. Vous connaissez ça, moi qui s'en comme ça. Parce que depuis que MSM est informé, il est toujours avec nous. Il paraît bien loyal, bien correct. Et ma relation avec lui, c'est une relation de frère. Mais aujourd'hui, quand il peut démissionner, il n'y a pas même une pensée, faire rien de voir, venir joindre moi. Explique-moi qui peut arriver, qui fait, il peut démissionner. Là, il est fini à aller, après le téléphone, moi. Les gens disent qu'ils sont contents d'avoir un rendez-vous pour lui expliquer moi qui vais y aller. Mais moi, je considère ça un peu insultant. Parce que s'il pensait qu'il s'est mis à cause avec moi, s'il s'est mis un petit peu de considération pour moi, il s'est mis à faire lire avant de démissionner. Parce que, avec toutes ces explications, moi, tu as déjà dit ce qu'il m'a pensé, moi. Après, il s'est fait libre pour lui faire ce qu'il voulait faire. Qui fait, il n'y a pas une pensée du tout, mais je connais qui fait. C'est un cas presque similaire de mon frère, Ashok Jagannath. Et même si vous voulez gagner, et Bérandé, tu promets lui pour faire lui premier ministre. Mais au moins, lui, il s'est venu guetter moi avant de démissionner. Aujourd'hui, qui est en arrêt de lui? Il n'est pas même un député, il n'est plus ministre. Quand il est pour un premier ministre, on peut attendre. Mais moi, je n'ai pas de doute qu'il peut arriver même des affaires avec Nando Boda. Je connais une promesse. Moi, je peux gagner un peu de renseignements depuis avant. Qui peut passer, qui a une promesse peut faire. S'il y en a dans ce destin, il y a un premier ministre. Mais moi, je finis de dire, je me prie, qu'il se sort pour parler comment à ce Jagannath. Pour justifier ce qu'il veut faire. On peut toujours inventer bonne raison. Mais là, il peut inventer tout cas des raisons. Il est libre pour lui causer. Il est libre pour lui dire ce qu'il pensait. Moi, personnellement, lui voulait venir vers moi pour lui expliquer moi. Moi, je le connais.
Si bon pas voulait tout se finir, mon pas pour recevoir, lui c'est moi. Parce qu'il fait, ce qu'il fait là, je considère lui un traite. Alors, mon pas voulait gagner des affaires avec traite. Qu'il oublie moi. Et bon, c'est moi pour oublier lui. Et Manish Gobin aussi, ce côté fin aussi commente l'émission d'Andoboda et fin cause de l'importance toujours garde sa parole dans n'importe qui situation. Et l'Oban Conseil Premier ministre, président de la République inattribué avec effet immédiat, ban responsabilité additionnelle ministère des Affaires étrangères, intégration régionale et commerce international, à ministre Alan Ganou. Premier ministre Pédéman Population Palais de Temporté par Ban Fausté, Lydia Bizanveillé qui est toujours l'ordre et la paix dans le pays. Premier Jognet affirmé qui papouena élection générale avant la fin mandat gouvernement. Leader MSM qui prend la parole aujourd'hui après-midi dans le bâtiment SunTrust dans Port-Louis suite à comité central élargi parti. Il commente démission Nan de Bouda et aussi affaires Kisnen. Lydia qui pas encore connaît bonne circonstance. Et il demande tout dimune qui n'a l'information. L'Osakala informe la police. Premier ministre, nous y revient l'accident 1996. Mokouzou, un extrait discours Premier ministre. Aujourd'hui, l'itrice qui nous ancien secrétaire général, camarade Nando Bodin, qui nous inale. Mais depuis quelques temps, Paul Béranzé fait l'astic Nando Bodin. Et on connaît Béranger n'est seul la boîte qui lui servit. La boîte là, vini mon prophète, vini premier ministre. Allô, pour une future premier ministre. Non, non, donne ton parole qui te vous présente moi comme future premier ministre. Béranzé donne son parole comme un dernier titou. Béranzé parti donne parole, madame Dalou. Et s'il vous plaît, pas cette parole. Madame Dalou, tu pensais qu'il y a un petit peu plus malin. Il dit mettre le papier signé. Si mettez le papier. Après qu'il est arrivé, il déjà présente madame Dalou comme premier ministre. Zéro. Ashok Jagna. Laisse-moi. Il arrive là, il m'a besoin de dire certaines quelque chose qui m'ont témoigné. Moi, ça n'y route Jagna, t'es qu'Ashok Jagna, nous étions ensemble. La dernière fois, il quitte nous y aller. Et ça n'y route pas dire Ashok, tu peux faire une grave erreur. Tu peux quitter nous, tu peux croire dans Béranzé. Ashok dit, vous connaissez. Boya, libérez-moi au sens. Libérez-moi comme futur premier ministre. Est-ce que Béranzé t'in présente à Ashok Jagna comme premier ministre? Zéro. Moi, j'attends moi de Nando au moins. Depuis hier, jusqu'à aujourd'hui qu'il est démissionné, moi, j'attends au moins qu'il vienne soit joindre moi. Ou bien lui donne-moi une call pour dire moi ça. Il n'est pas fini dans le courage pour venir face à face avec moi. Ou bien même à distance, ou une call téléphone pour dire moi qu'il est bien allé. Il est bon pour dire ça. Vous êtes capables de tirer votre propre conclusion. Je vous dis, les peuples trouvent la différence. On n'est pas un vrai patriote, on n'est pas un démocrate qui accepte le verdict de la population. Et ben bon dit. Je dis, je peux empoisonner l'esprit du monde. Mettre poison dans l'esprit du monde. Redécrédibilise mon institution avec un seul objectif. Quand vous avez besoin de causer, et n'a dit à ce pour verse 10 ans dans ce pays-là. Politicien, membre de l'Assemblée nationale, il dit à vous pour une verse 10 ans. Et n'a l'autre dit, c'est même l'opposition ça. Tout le monde est piqué ensemble,
Ils ont une claque, premier ministre. Mais moi, jamais dans mon carrière politique, je me suis servi la violence. Jamais! Jamais! Ni moi, ni vous voulez qui qu'un an lève la main, l'on aide mon adversaire. Jamais! Moi, si moi, non, pour répliquer, moi, pour répliquer avec argument, moi, pour répliquer avec explication, moi, pour donner information, pour les peuples capables de ziser. Et j'ai l'objectif, c'est faire tout pour du monde descendre la rue. Descendre la rue aussi. Mais il y a un problème, ça. Nous sommes un pays démocratique. Et nous avons donné permission pour aller pour organiser manifestation. Seulement, fais attention. Il y a une différence entre manifester pacifiquement et aller à descendre la rue pour faire des ordres ou pour servir violence. C'est pourquoi vous faites un appel à la population. Vous n'avez pas à rentrer dans ce qui a été piège. Et surtout, pas les autres emportés par une fausseté. Et surtout, veillez à ce qu'ils nous soient capables toujours et dans l'ordre et la paix dans le pays. Vous dire ça avec tout le sérieux. Vous bien sagrez et bien triste quand on trouve un dimoun décédé. La période fait où quoi? Quand un dimoun mort, c'est comme dire un gouvernement qui n'a monté un escadron et qui pétouille un dimoun. Vous connaissez qui appelle ça? Appelle ça faire politique le cadavre, un dimoun. Faire politique le malheur les autres dimoun. Et il y a des gens qui peuvent souffrir, et il y a des gens qui connaissent une situation douloureuse, mais peuvent profiter de là, puis en bobine zone, puis en poison zone de l'esprit, et puis faire politique de là. Ce qui a été cinéma là, moi, dans mon, depuis que je suis politique, et depuis mon engagement dans la politique, jamais je ne trouve ce qui a été cinéma qui peut faire aujourd'hui. Comment on peut faire aujourd'hui là? Nous tenons un camarade qui dit support le MSN, surtout depuis qu'il m'a posé candidat pour l'élection partielle dans le numéro 8. Appelle Kisnen, nous tous connaissons par Kaya, et nous avons dit nous bien, bien triste qu'il vienne perdre la vie. Dans une circonstance qui nous pas même connaît qui manière ça est arrivé. Et dans l'enquête qu'il peut faire, bien sûr, nous faire confiance, tout le monde qui connaît quelque chose là, nous dit à autres, Albert, l'enquêteur, la police, donne un élément, donne une preuve concrète. Nous tous les qui nous trouvent, les ou nous les connaissons qui n'arrivaient. Mais, ne peut faire politique sans que l'enquête finie détermine quoi que ce soit. Et n'en peut déclarer aux autres, comment dire, aux autres, ils finissent de trouver qui n'arrivaient. Pas d'un élément, la police, c'est bon, tu boutes l'eau, qu'est-ce que ça vaut? Brandi, elle nous a fait, il y a la preuve là, l'autre preuve là, l'autre preuve. Ça m'a mis ici là, je n'ai pas dit ça avocat. J'ai même enquêté, j'ai même fait analyse des bonnes preuves, j'ai même fini trop conclusion, j'ai même fini condamné du monde. Mais qui vise à la cour? Pas vise à la cour. Les autres même faire tout travail là. Ça m'a le cinéma là, bien arrivé. Un autre du monde perdit la vie dans une circonstance tragique. Gagne coup de balle. Et nous tous choqués par ça. Parce que dans nos sociétés, nous n'avons pas habitué de trouver des affaires comme ça. À ce stade, gouvernement qui n'a pas fait tout.
Et dans l'autre du monde, malheureusement, tout ça pas du monde qui m'a pété un mot. Nous avons une sympathie. Premièrement, vous êtes décédé, vous êtes famille, vous êtes proche. Un autre du monde, il fait un accident. Il va aller sur la motocyclette, il tape un camion. Il fait un accident, il est décédé. L'opposition, première réaction, sans même connaître qui est arrivé, sorti depuis dans la cour, première affaire, l'opposition dit, il planifie cela. Et où là? À quel niveau est-il tombé, ça va là? Et là, comment dire, je vous dis, l'équipe ça. Un gars MMM, un gars travailliste, un gars PMSD, un gars Reform Party de Baden, un gars Bruno Lorette, un gars Mouvement Ramamalaiden. Tout ça là ensemble, je vous dis, ça même l'opposition. Ça même l'opposition qui est dans du monde, peut dire. Il faut construire un projet de société. Hein? Pour moi, c'est une équipe de bandits. Une alliance de Kalimatia. Vous connaissez, j'ai fait un accident en 1996. Hein? Un accident fatal. Il fait une enquête. La police. Il fait une judicial inquiry présidée par un magistrat. Dossier inalcool d'IPP en 1999. Partout, l'enquête de la police trouvait Mopenato. Judicial Inquiry trouvait Mopenato. DPP trouvait qui Mopenato. Après 25 ans, je vous dis, et s'il vous plaît, les bon dire ça aussi. 96 à 99, qui s'en a quitté Premier ministre. Nous partons dans le gouvernement, nous. Zodi, Périne fait tout qui a été allusion, tout qui a été allégation. La cause, ça veut dire, programme l'opposition, Zodi, c'est faire tout pour mettre des autres, pour essayer de briller le pays-là, pour lever une communauté contre l'autre communauté, face à la pandémie COVID-19. Tout le monde trouve qui mène une zère, ce pays-là. Qui mène nous à la situation. Aujourd'hui, nous fiers, nous COVID safe. Nous sommes un grand pays qui est COVID safe et que nous sommes capables de faire nos activités. Et vous connaissez, quand on prend cette décision-là au gouvernement, qui quantité de pression nous gagner, qui quantité dans certains secteurs, tu peux dire, pas capable de faire une frontière, pas capable d'être en quarantaine de 14 jours, bizarre moins. Ou réaliser, si nous t'y céder, si nous t'y dire oui, vous avez coup de zone, et ça l'opposition là, c'est tout, commencement, nous t'y dire, nous pouvons mal faire. Nous t'y dire, guette la réunion, nous t'y faire pareil comme la réunion. Guette la réunion. Bon, pas dire ça avec contentement, mon sagrin, qui la réunion, malheureusement, mais qu'on autant de cas de contamination, guette Mayotte. Je suis pas dire pas le pays de l'océan Indien peut faire plus bien que nous. Encore une fois, nous sommes un critique. Parce qu'ils jamais sont satisfaits d'eux. Et jamais ils reconnaissent le travail qu'ils ont bien fait aussi. Dernièrement, qu'est-ce que tu peux dire? Coup de vaccin. Maurice, tu as fini avec le vaccin. 100 000 doses de vaccin fini rentrer, nous avons un cadeau avec l'aide. Mais c'est là l'autre affaire qu'il est dit. Ah, Premier ministre, pas peut faire. Ex-Premier ministre. Hein? Il gagne votre acap. Je vous pose une question. Moi, bien sûr, je peux faire. Je bien envie de faire. Parce que moi aussi, j'ai envie de gagner. Même qui nous safe, nous en sécurité, moi, j'ai une protection additionnelle. Mais seulement moi. Moi, je donne donne priorité, nous sommes frontliners. Dans un avion qui possiblement a un contact avec du monde qui est contaminé.
livré qui, d'après nos constitutions, premier ministre qui a le pouvoir pour décider quand pour une élection générale. Un ministre. Nous avons ce pouvoir-là. Moi, j'ai un mandat de 5 ans, mais j'ai un pouvoir pour capable faire l'élection de n'importe qui l'est avant les 5 ans. Et même après les 5 ans, d'après provision de la Constitution, nous avons une certaine l'état aussi qui nous capable de faire l'élection. Mais les bons mots, j'ai dit clairement, nous n'avons aucune intention à le faire l'élection avant la fin. Écoutez, parce que, pas pour moi, parce que moi j'ai un programme, moi j'ai confiance de la population pour aller pour l'implémenter ce programme-là. Et c'est pourquoi il a un mandat de 5 ans. Et donc, c'est la bonne nouvelle, l'état de Maurice, situation générale, il y a un courant d'air humide et perturbé dans nos régions, prévision à part de la pluie, principalement lors d'un terrain élevé, les temps pour bons ont dit tantôt, et les temps pour mi-couvert partout demain matin et pendant la journée, pour un bon nuage et bon averse dans l'est et le plateau central. Voilà, nous on a fini ici, merci pour l'attention, bonne soirée, l'Oman Chanel BC.